Forrester, Brooke a parlé à Eric du mariage en cabine. Brooke était heureuse que Hope ait pu clore le vilain chapitre avec Thomas. Eric a pensé que Brooke pouvait aussi, et a noté que cela avait eu un impact sur son mariage. Brooke a joyeusement rapporté qu'elle et Ridge étaient de retour ensemble. Eric, qui les soutenait, a dit que c'était pour toujours cette fois. Heureux que Ridge n'ait pas déposé les papiers, Brooke a dit qu'elle était toujours l'épouse de Ridge et qu'elle le serait toujours. Eric pensait que tout allait bien avec le monde. Elle a mentionné que Ridge lui avait donné un cadre photo numérique. Conscient de cela, Eric a révélé que Ridge lui avait donné une application pour accéder au cadre et y ajouter des images. Eric prévoyait d'en mettre plus tard dans la journée. Brooke a remercié Eric de l'avoir soutenu ainsi que Ridge, même lorsque Quinn ne le voulait pas. Eric a fait remarquer que Brooke et Quinn n'étaient pas les meilleurs amis. Brooke a plaisanté en disant que Quinn avait sa meilleure amie du désert pour ça. En riant, Eric pensa que Brooke ressemblait à Stéphanie. Brooke l'a pris comme un compliment. Eric se demanda si Quinn et Stéphanie se seraient bien entendus. Brooke a estimé qu'ils se seraient déjà tués. Elle a proposé d'être polie pour le bien d'Eric, mais c'était tout ce qu'elle pouvait promettre. Eric a dit que Brooke ne le croyait peut-être pas. Mais Quinn voulait ce qu'il y avait de mieux pour la famille et était un grand partisan de Brooke et Ridge. Surpris de l'entendre, Brooke a demandé si Eric en était sûr. Au manoir, Quinn se délecta de ses pensées en regardant la vidéo de Bill et Brooke qu'elle avait subrepticement acquise du téléphone de Shauna. Ridge est arrivé dans une hâte excitée de récupérer des choses pour son retour dans la maison de Brooke. Quinn a demandé s'il voulait vraiment faire ça. Ridge ne voulait pas l'entendre. Il a demandé ce qui n'allait pas avec Quinn, qui ne pouvait pas être heureux pour lui et Brooke. Quinn ne pensait pas que quiconque voulait que quelqu'un interfère dans leur mariage. Elle savait qu'elle ne voulait pas de ça, mais des choses pouvaient arriver qui échappaient à notre contrôle. Elle pensait qu'il valait mieux savoir à quoi on avait affaire. Ridge a déclaré que Brooke avait fait ses preuves et était une personne loyale. Quinn a remis cela en question. Il a insisté sur le fait que Brooke était fidèle. Et il avait de la chance qu'elle lui ait donné une autre chance. Il a demandé ce que faisait Quinn et à quoi elle s'accrochait. Elle a affirmé qu'elle s'accrochait effectivement à quelque chose. Il lui a dit de laisser tomber. Ridge se tourna pour monter, mais Quinn l'arrêta. En colère, il lui a demandé de le faire une autre fois. Quinn a convenu qu'une autre fois pourrait être meilleure. Plus tard, pour le plus grand plaisir de Quinn, Eric était rentré chez lui. Alors qu'il parlait de leur jour, Eric a mentionné son entretien avec Brooke. La conversation s'est tournée vers la réunion de Ridge et Brooke, et Eric a dit qu'il était heureux de voir son fils éperdument amoureux. En tapotant sur sa tablette, Eric a parlé à Quinn de son plan pour remplir le nouveau cadre photo numérique de Brooke de souvenirs. Il avait déjà commencé à en télécharger. Quinn était intrigué. Eric lui montra ce qu'il faisait avec la tablette et son esprit se retourna dans ses pensées. Il posa l'appareil et alla au bar pour leur faire des martinis. Quinn sourit. Chez Brooke, Brooke a accueilli Ridge chez lui et lui a assuré qu'il y avait de la place pour ses affaires. Elle avait toujours su qu'il reviendrait. Il a dit qu'il ne repartirait plus jamais, et elle a promis de ne plus jamais le renvoyer. Ridge a remarqué que Brooke avait sorti le cadre. Il s'émerveillait des images qui défilaient dessus. Il a dit qu'il avait donné à Eric la permission de le télécharger. Brooke était heureuse d'être à nouveau dans les bras de Ridge, alors qu'ils s'étreignaient et s'embrassaient. Sur le cadre derrière eux, la vidéo du baiser de Shauna était diffusée. De retour chez Eric, Quinn entendit un ping annonçant que son téléchargement était terminé. Elle souriait comme une gamine le matin de Noël. À l'appartement de Flo, Shauna a fait la lessive et a expliqué à quel point c'était génial d'être colocataire avec sa fille.
Elle a deviné qu'il était difficile pour Flo d'être loin de Wyatt pendant qu'il vivait avec Sally. Flo manquait Wyatt mais ne pensait pas que Sally devrait être seule. Flo espérait que Sally s'ouvrirait et lui dirait la vérité sur sa maladie. Shauna se demanda pourquoi Sally ne l'admettrait pas. De la vie de Shauna, Sally avait besoin de se mettre en relation avec les bonnes personnes et d'avoir un système de soutien. Flo a dit que Sally est décidée d'en parler ou non. Flo était juste content que Wyatt soit là pour elle. Shauna a fait savoir à sa fille qu'il était normal de se sentir mal à l'aise face à la situation. Flo, cependant, ne l'était pas. Flo ne se sentait pas menacé par Sally ou inquiet pour Sally et Wyatt. Flo avait confiance à Wyatt. Shauna pensa que Sally et Wyatt avaient une histoire et Shauna ne voulait pas voir Flo blessé. Shauna a déclaré que les gens pouvaient surprendre les gens. En supposant que Shauna avait changé de sujet, Flo a demandé si sa mère pensait à Rich. Shauna pensait qu'elle était assez transparente. Flo se demanda si Brooke et Rich s'étaient remis ensemble. Shauna l'a affirmé mais a déclaré que Thomas n'était pas le seul problème du couple. Elle a précisé qu'elle ne causait pas le problème avec Rich et Brooke et ne voulait pas être le problème. Rich s'était engagé à faire fonctionner son mariage. Shauna espérait juste que Brooke l'aidait aussi. Chez Wyatt, Sally a révélé à Wyatt qu'elle était en train de mourir. Wyatt a dit qu'il était désolé. Confuse, elle remit en question son manque de surprise. Il balbutia et elle en déduisit que Cathy lui avait dit. Il l'a admis mais elle lui a demandé de ne pas être en colère contre Cathy. Il était heureux que ce soit sorti et qu'il puisse arrêter de faire semblant. Sally a demandé si faire semblant était tout ce qu'il avait été pour Wyatt. Elle a supposé qu'il l'avait emménagé et rompu avec Flo par obligation. Il balbutia à nouveau et elle exigea de connaître la vérité. Wyatt a dit que Sally n'avait plus à faire semblant de ne plus être malade et qu'il serait là pour elle, même si ce n'était que pour lui tenir la main. Elle a répondu qu'il se sentait désolé pour elle. Il l'a nié. Elle insista pour savoir s'il était vrai qu'il était revenu vers elle parce qu'il avait commis une erreur en étant à nouveau avec Flo. J'ai un peu exagéré sur Flo et moi parce que tu ne m'aurais pas laissé entrer, répondit Wyatt. Sally devina que Flo était dans le coup. Wyatt l'a confirmé mais a déclaré que Flo ne complotait ni ne complotait. Sally s'est appelée une affaire de charité, mais il lui a demandé de ne pas le dire de cette façon. Sally a crié qu'il lui avait fait penser qu'elle lui avait manqué et la voulait dans sa vie et à la maison. Il a dit qu'il ressentait ces choses. Sally a répondu que c'était parce qu'il pensait qu'elle était en train de mourir. Sally devina que Flo et Wyatt n'étaient même pas séparés. Wyatt a admis que non. Sally a demandé s'il avait prévu de retourner à Flo une fois que Sally serait partie. Wyatt marmonna que la déclaration était injuste. Sally réalisa que c'était la raison pour laquelle Wyatt n'avait pas laissé les choses aller trop loin entre eux. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été assez stupide pour penser que tout était réel alors que la vérité était que Wyatt se sentait juste mal pour elle. Bouleversée, Sally essaya de se précipiter hors de la maison, mais elle trébucha sur la marche menant à la porte d'entrée. Wyatt a aidé Sally à se relever. Le docteur Escobar a déclaré que la façade que Sally avait mise pour Wyatt causait un énorme stress. Il a souligné que Sally aurait pu se cogner la tête et s'évanouir. La chute l'avait réglée pour lui. Il a déterminé que Sally restait sur place. Sally n'en était pas sûre, mais Wyatt affirma qu'il voulait être là pour elle pour toutes les bonnes raisons. Sally a demandé s'il le pensait. Il l'a affirmé. Elle a répondu que son médecin avait eu raison de dire qu'elle avait de la chance d'avoir Wyatt. Il a dit à Sally de continuer à se battre. Il pensait qu'il pouvait le battre. Elle a répondu qu'Escobar avait essayé d'amener Sally à s'y prendre différemment. Convenant que c'était un bon conseil, Wyatt a dit que c'était ce que Sally devait faire.
Wyatt glissa Sally sous une couverture sur le canapé. Il était content qu'elle se soit ouverte à lui. Il voulait partager ses moments avec elle. Sa présence chez lui signifiait quelque chose pour lui. Ce n'était pas perdu pour lui qu'elle avait choisi d'être là. Il voulait passer le plus de temps possible avec elle. Sally a dit que c'était agréable à entendre. Wyatt a affirmé qu'il était engagé envers elle là pour le reste de votre s'interrompant. Il a dit qu'il était là aussi longtemps qu'elle le voulait. Wyatt a décidé de laisser Sally parler à son médecin. Il a demandé à Escobar d'amener Sally à gérer les choses différemment. Escobar a dit que c'était la raison pour laquelle elle était là. Elle voulait qu'il reste et entende ce qu'elle avait à dire. Sally a déclaré qu'elle voulait parler à Escobar en privé. Wyatt sortit de la maison, sautant du canapé. Sally a demandé ce que diable Escobar pensait qu'elle faisait. Escobar a posé la même question à Sally, qui jouait à des jeux avec les sentiments de Wyatt. Ne me fais pas la morale, Penny. Je ne veux vraiment pas l'entendre. Sally bouillonna, laissant les mains en l'air. Penny a dit qu'elle avait fini et qu'elle ne le supporta plus. Sally a demandé ce que Penny voulait qu'elle fasse. Elle a demandé si Penny voulait qu'elle s'en prenne à Wyatt et lui dise que tout cela était une arnaque et qu'elle mentait tout le temps. Elle a demandé si elle était censée dire à Wyatt qu'elle allait parfaitement bien. « Voulez-vous que je lui dise la vérité, docteur Escobar? Vous voulez que je lui dise que je ne meurs pas ?» demanda Sally.